Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier que j'ai reçu de la part de la chaîne Zazabelle, donc c'est Isabelle, chez qui j'avais fait, j'avais participé à un concours et bon, j'avais pas gagné, mais elle avait promis de faire un petit quelque chose à toutes les participantes, donc apparemment c'est ce qu'elle a fait. Et je suppose que c'est son petit courrier de remerciement. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Enfin, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je découvre une jolie petite composition. Et c'est magnifique, hein. Il y a un boulot pas possible. En fait, voilà, je suppose que c'est une petite pochette. Comment on appelle ça? Non, c'est pas une pocket letter. Enfin, c'est. Je sais pas. Vous allez voir. C'est une pochette surprise. Voilà. Donc, sur le dessus, elle m'a mis une jolie petite image crochetée. Je sais qu'elle en fait beaucoup, elle aussi. Et qu'elle a pailleté. Elle a mis des petites paillettes. Elle l'a collé sur un carton, d'emballage qu'elle a découpé, qu'elle a retiré la pellicule du dessus là, pour obtenir tout ce carton-là, quoi. Et en fait, c'est un joli collage de superposition. Elle a mis un petit calendrier, petite fleur. Je trouve ça joli avec un papier de saison, disons, avec du houx. Et je vais ouvrir avec vous pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a des jolies choses, de très jolies choses. D'ailleurs, elle a mis son petit tampon derrière. Et ça, c'est un joli marque-page shaker. C'est joli. Après, t'es doué, hein. Waouh. J'ai pas essayé encore d'en faire, mais... je crois que j'avais essayé une fois, mais bon, ça m'avait pas trop emballé. C'est magnifique. Elle nous a mis un petit renne, une boule avec un petit renne. Et un pompon au fond. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Je suis désolée, ça s'écolle, hein, mais il y a tellement d'épaisseur que forcément. Donc voilà, ça, c'est un autre petit marque-page. C'est joli. C'est avec un bâton de glace. Enfin, un bâtonnet en bois. Là, elle nous a collé, c'est quoi? C'est... un petit bocal avec un petit paysage à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. Et une mini guirlande tout autour. C'est joli. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Un petit washi. Il est joli aussi. Avec des petits motifs mauve, blanc. Une jolie petite carte crochetée. Hop. Zazabelle création originale. C'est très joli. Et une petite gorgeuse hein, qu'elle a imprimée, collée et ensuite crochetée. Tu fais un travail magnifique. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement de choses que je ne sais pas. Je pense que tu as dû mettre ton petit mot quelque part. Mais... je suppose que c'est ça. Une jolie carte. Hein? Happy Christmas. Avec un petit fan, un lampadaire, hein? des petits sapins. Elles sont jolies, tes découpes. Hein? Je n'ai pas des comme ça. Elles sont jolies. Et là, une partition musicale. Donc, je vais lire ton petit mot.
Ah, c'était ton premier concours en plus, oui. Des cadeaux de Noël pour 2000. Moi aussi, je te souhaite un joyeux Noël. Passe de bonnes fêtes avec toute ta famille. Et meilleurs vœux, mais ça, je te le souhaiterai plus tard. Je te remercie beaucoup, Isabelle. C'est gentil parce que bon, tu n'étais pas obligée de nous faire quelque chose parce qu'on avait participé de bon cœur. Et puis voilà. Donc voilà, je continue à faire le déballage et la découverte de tes jolies ch petites choses. Oh, c'est joli, c'est un petit truc Santoro, mais t'as eu ça où? C'est pas imprimé, c'est un truc original, donc je sais pas où c'est que t'as bien pu avoir ça. Moi, j'en ai pas vu des petits trucs comme ça. Donc, elle me l'a collé sur une petite pince à linge. Donc, c'est avec ça qu'elle tenait sa carte. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Encore du crochetage. C'est vrai que c'est ta passion, ça, le crochet aussi. Hein. Tu nous fais de jolies choses. Hein. Tu m'avais d'ailleurs fait un marque-page, hein, je crois que c'est l'année dernière. Hein. Pour suspendre au sapin, que c'est joli. C'est joli. Ma personne aura le même. Hein. Voilà. Je l'accrocherai si je fais le sapin, je ne l'ai toujours pas fait. De toute façon, j'ai pas trop envie de le faire, mais bon, on verra bien. Vu que tu es la deuxième à m'envoyer des trucs à suspendre, je crois qu'il va falloir que je le fasse quand même. Hein. Donc voilà, une jolie petite rosace, hein, j'appelle ça une rosace, hein, au crochet et sur laquelle elle a collé une découpe. Hein. Elles sont jolies tes découpes, hein. Puis c'est fin. Et ça, encore du crochet. Mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Et tes petites enveloppes aussi, là, elles sont jolies, tes petits sachets avec des petits pois. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Voilà, là, c'est pareil, une petite rosace avec une fleur, un petit mot, un petit napperon au crochet. Et c'est quoi? Artist Trading Coin. Voilà. Ça doit être les nouveaux trucs. Bah, entre les ATC et ça, j'y connais rien, moi. Donc, c'est ce qui doit remplacer les ATC. Moment 1 sur 5. La création de Zazabelle. Ouais. On fait le quoi? Le 11 au 2019. Ouais. Au mois de novembre. C'est joli. Bah, écoute, je vais le mettre de côté. Hein. Et en tout cas, c'est le premier que je reçois chez. Je vous dis, ça doit remplacer les ATC. Je ne sais pas, en fait. Je vais le remettre dans sa petite pochette. Ensuite, nous avons. Merci. Ben, c'est merci d'avoir participé à son concours. Et c'est un ATC. Donc, merci. Et c'est création de la belle. Voilà, elle n'a pas mis. En fait, c'est le titre, c'est merci. Voilà. Et c'est là, je sais pas, 19 sur 22. Oh, bah dis donc, si tu as fait 22 envois, oh, ça t'a pris du temps. C'est vrai que c'est du temps à faire tout ça, quoi. Tu as eu du courage, hein. Et c'est moi qui te dis merci. Déjà d'avoir organisé ton concours et de m'avoir envoyé ça. C'était vraiment pas la peine. C'est avec plaisir qu'on a participé à ton concours. Et ça, c'est un petit shaker. Merry Christmas. Et c'est encore une ATC 4 sur 8. Noël. Bah dis donc, je suis gâtée en ATC. Et ça a été fait ce mois-ci. Voilà. Et après, c'est quoi? Hop, c'est collé. Du joli papier avec des papillons. Oh, je sais pas où tu les as eus parce que je les ai jamais vus, ceux-là.
papillons, petites fleurs. Les carreaux, ils sont jolis, en plus dans les tons de rosa. Là, il y a des petits nœuds dessus, des petits cœurs. Oh, celui-là, il est joli aussi, hein. Ça fait style mandala, enfin, des trucs à colorier. Ah, écoute, je te remercie beaucoup. Et c'était pas la peine d'envoyer tout ça. Ça me fait plaisir d'avoir reçu et puis d'avoir participé. Et voilà, c'est... De toute façon, on habite pas loin, enfin pas loin. On n'habite pas le même département, mais par l'autoroute, il y a quoi, deux heures, hein. Et je t'ai dit qu'un jour, je viendrai te voir. C'est vrai qu'on devait le faire cet été, mais on a eu des petits soucis toutes les deux. Et toi, des soucis de santé. Et puis moi, bon, j'étais un peu bloquée aussi. Donc, on n'a pas pu le faire, mais je te promets, on fera ça l'année prochaine. Voilà, ben écoute, je te remercie, je te fais de gros bisous et voilà, et je vous dis à tous une bonne journée, oui, passez de bonnes fêtes. Et j'espère que tout se passera bien pour vous. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Voilà, et je remercie mes dernières abonnées. Et puis je vous remercie toutes aussi de me suivre. C'est vrai que je ne suis pas souvent présente avec mes vidéos, mais bon, je fais ce que je peux. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes. Et passez de bonnes fêtes et à bientôt. Au revoir.